marque, il y en a un qui marque beaucoup, c'est Erling Haaland qui est auteur d'un triplé, le Norvégien. On va écouter Pep Guardiola d'ailleurs qui évoque son joyau d'attaque. Cette saison, il n'a pas participé à l'Euro, il s'est reposé, il est revenu en forme. Nous avons un peu discuté pendant la tournée aux États-Unis, je lui ai fait part de certaines choses qu'il devrait améliorer. Il a été à l'écoute, et bien sûr, il ne peut pas jouer tous les matchs jusqu'à la fin de la saison, même si les statistiques d'un joueur sont devenues importantes. Mais son total de buts marqués est déjà dingue. Il peut vraiment rivaliser avec CR7 et avec Lionel Messi. Les chiffres sont incroyables pour son jeune âge. Nous sommes très heureux d'avoir ici et espérons qu'il restera au club encore de nombreuses années. Ce serait vraiment bien pour nous tous. Il en marque un début, Erling Haaland. Chaque saison, on se dit, est-ce qu'il en marquera encore plus que la saison précédente? C'est quand même fabuleux quand on pense à Pep Guardiola, qui n'était pas à la base, qui n'est pas fan des numéros 9. Il le fait venir. Ça, c'est très contestable comme théorie, ça. Pardon ? C'est très contestable comme théorie, ça. Il a aussi recruté beaucoup de numéros 9. Hein. Oui. Oui, Agüero est une légende de oui, City. Oui, Mandzukic et puis Lewandowski. Mandzukic, Lewandowski, Haaland, il y en a eu 3-4 des 9. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'il arrive à jouer avec deux systèmes, c'est-à-dire une équipe avec un buteur unique numéro 9 comme Haaland, comme ce qu'il nous a fait ce week-end, et il est capable de jouer avec une équipe à buteurs multiples. Ça peut être Foden, ça peut être De Bruyne, ça peut être, bon, bref, on ne va pas tous les citer. Qu'un entraîneur dispose de ces deux registres offensifs, ça prouve le niveau de Pep Guardiola. Mais c'est le propre des grandes équipes, ça, non ? Le Bayern n'a pas ça, le Real Madrid n'a pas ça, le Barça n'a pas ça. Non, parce que même sans Haaland... Ils n'ont pas des buteurs comme Yamal sur les côtés avec Lewandowski. Non, parce que comment dire, si tu enlèves Haaland, l'équipe de Manchester City pourra continuer de gagner, marquer beaucoup de buts. Bah, il a été blessé la saison dernière et City était dans une série de victoires. C'est pas propre à toutes les équipes. Ça, je suis assez d'accord. Erling Haaland, Naïm... Guardiola a raison, il n'a pas fait l'Euro en fait. C'est une des grandes stars. Il est frais physiquement ? Il est plus frais physiquement déjà. Il est plus frais physiquement. Il a été blessé la saison dernière, donc il a aussi eu de la réathlétisation. Il a pu se reposer. Il n'a pas fait d'euro. Il s'est bien préparé. Ipswich n'avait pas non plus l'opposition la plus tranchante de la saison. Donc c'est très bien pour lui de mettre un triplé. Mais ce n'est pas sur un match comme Ipswich que tu l'attends. Mais moralité, c'est très bien marqué. Ça fait quand même 23 hat-tricks depuis le début de sa carrière. Ah non, mais c'est quand même assez énorme. C'est extraordinaire. Là, on est en train de banaliser l'extraordinaire. Non. Il y a une question en Angleterre. Non, quand on dit 23, parce qu'on le dit 23. Ah, 23, c'est énorme. C'est énorme. Et il y a même eu un débat en Angleterre. Enfin, débat pour rigoler. Hein, on se dit, à la fin de sa carrière, on pense qu'Haaland, il aura plus de hat-tricks que certains joueurs auront marqué de but dans leur carrière. Il va finir à peut-être 60 hat-tricks au rythme où ça va. C'est hors norme, en fait. Oui, tout à l'heure, quand je parlais de Mbappé. S'il pouvait avoir l'efficacité de Haaland, c'est-à-dire une action, un but. Là, vous créez un. C'est pas un être humain. Haaland n'est pas sur une dynamique, une action, un but. Hein. Là, c'est non, ce week-end, non, mais ce week-end peut-être, mais il y a aussi du tout. Il est clinique. Tu sais, je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il est plus complet. Mbappé, c'est je prends la transition, je prends. Hop, profondeur, j'accélère, je marque. Haaland, on l'a dit plein de fois la saison dernière, il sait se placer, il sait faire des attaques placées, il est très bon avec la tête, il est très bon sur les coups de pied arrêtés, il en a très peu, il est complet. Donc on va dire que dans différentes positions, il peut être efficace, là où un Mbappé, s'il commence à reculer, à faire le jeu, à se retrouver dos au jeu, là tu sais qu'il va se paumer. C'est pas son truc. Il est plus complet que Mbappé. Ça, il n'y a aucun souci. J'adore là-dessus. Qu'on est revenu aucun à Mbappé, c'est exceptionnel. Non, mais c'est. C'est une obsession. C'est la comparaison un peu facile. Mbappé-Haaland, tu sais que tu vas la prendre pendant 10 ans. C'est donc, sûr. C'est le nouveau duel. Si tu as vu Messi-Ronaldo, tu auras Mbappé-Haaland. Il est beaucoup plus complet que Mbappé. C'est une certitude. Bon, en tout cas, Haaland, on sait qu'il va sûrement. Dans les faits, c'est sur Haaland que le PSG aurait dû aller. Pep Guardiola estime que Erling Haaland peut rivaliser avec Messi et Cristiano Ronaldo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je voulais rebondir sur le propos de Pep Guardiola. On va également parler de la comparaison Haaland-Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et c'est pour nous partir. Alors, Pep Guardiola a dit que pour lui, Erling Haaland peut rivaliser avec Messi et CR7. Pour moi, ça c'est en termes de stats. En termes de stats, c'est vrai. Mais dans le jeu,
Haaland est très loin de Messi et Cristiano Ronaldo. Très, très loin dans le jeu, les amis. Très, très loin. Haaland, ce n'est pas un mec sur qui tu peux compter pour te gagner la RDC. Haaland ne peut pas porter une équipe à lui seul. Erling Haaland ne peut pas porter une équipe à lui seul. Pourtant, CR7, il a porté le Real. Je m'en souviens du match Wolfsburg-Real. Au match aller, je pense que Wolfsburg avait gagné 2-0. Au retour, CR7, il a vraiment fait le festival. Il a battu quasiment Wolfsburg à lui seul. CR7, il a renversé plusieurs matchs de LDC. Plusieurs matchs. C'est des garçons qui étaient capables de porter leur équipe. Idem pour Messi. Idem pour Messi, c'est la même chose pour Messi. Messi était capable de porter son Barça. Donc, ces qualités-là, moi, je ne vois pas ça à Erling Haaland. Erling Haaland, certes, c'est un buteur, mais pour moi, il a trop besoin du collectif. Il a trop besoin du collectif. Il a trop besoin de ses coéquipiers. Trop. Ce n'est pas un garçon capable de courir et marquer des buts. Pourtant, CR7, il pouvait courir pour marquer des buts. Mais il pouvait dribbler au moins 3, 4, 5 joueurs pour marquer. Elle n'a pas fait ça. Elle ne s'est pas fait ça. Donc, en termes de stats, oui, il peut rivaliser avec Messi et CR7, mais dans le jeu, c'est trop insuffisant. C'est trop insuffisant pour pouvoir rivaliser avec Messi et Cristiano Ronaldo. Trop, les gars, il y a trop de manque dans le jeu de Erling Haaland. Trop de manque. C'est un garçon qui a trop besoin du collectif. Si vous mettez Erling Haaland dans une équipe qui ne sait pas jouer, une équipe qui n'a pas un collectif, il sera perdu. Il sera trop perdu. Pourtant, CR7, il est capable de dribbler, il est capable de frapper à distance, il est capable de faire la différence. Je n'en parle même pas de Messi, mais il est capable de dribbler au moins 10 joueurs. On l'a vu, je m'en souviens du match contre Malaga. Pour ceux qui s'en souviennent, je pense que c'était en 2009. Il a dribblé au moins 7 joueurs, le parti marqué. Léo Messi. Donc, pour moi, en termes de jeu, il est très loin derrière Messi et Cristiano Ronaldo. Mais dans les stats, c'est très proche, c'est très proche. Après, qui est plus proche de remporter le Ballon d'Or entre Haaland et Mbappé? Pour moi, pour l'instant, c'est Erling Haaland. Erling Haaland est plus proche de remporter le Ballon d'Or qu'un Kylian Mbappé. La preuve, Erling Haaland a failli remporter le Ballon d'Or. L'année où Messi remportait le Ballon d'Or, Erling Haaland méritait le Ballon d'Or. Le dernier Ballon d'Or de Messi, Haaland méritait le Ballon d'Or. Il méritait le Ballon d'Or. Donc, moi, je trouve qu'il est plus proche de remporter le Ballon d'Or qu'un Kylian Mbappé. Certes, en termes de stats, ils sont très très proches. En termes de ratio, match joué but, Erling Haaland est loin devant Kylian Mbappé. En termes de ratio, Kylian Mbappé, c'est 0,70 buts par match. Haaland, c'est 0,96 buts marqués par match. 0,70 buts contre 0,96 buts. C'est incroyable. Haaland a un ratio de presque 1 but par match. Presque 1 but par match, les gars. C'est énorme. C'est énorme. Donc, en termes de jeu, moi, je trouve que Haaland est plus proche de remporter le Ballon d'Or. Après, certains diront que Haaland est plus complet que Kylian Mbappé. Moi, je ne pense pas. C'est juste que Kylian Mbappé, les 6 derniers mois, il est vraiment dans le jus. Il est vraiment dans le jus. Si on enlève ces 6 derniers mois, le Kylian Mbappé qu'on a connu auparavant, pour moi, il était meilleur que Erling Haaland. Il était meilleur dans le jus, dans les dribbles, etc. Haaland ne sait pas dribbler. Donc, moi, je pense que actuellement, Haaland est devant Kylian Mbappé, mais dans le passé, je trouvais Kylian Mbappé beaucoup plus complet qu'Erling Haaland. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que Haaland est plus proche de remporter le Ballon d'Or qu'un Kylian Mbappé? Est-ce que tu valides les propos de Pep Guardiola qui estime que pour lui, Erling Haaland peut rivaliser avec Messi et CR7? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.